été au pouvoir, il y avait eu des morts, des affrontements, dans tout Madagascar. Quand il a quitté le pouvoir en 2009, il y avait eu des morts. Mais cette fois-ci, nous sommes en 2012, coûte que coûte, il veut revenir au pouvoir. Mais nous, on dit, on ne laissera jamais revenir au pouvoir.